Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une peinture florale très facile à faire. Si vous ne savez pas dessiner des fleurs et encore moins les peindre, cette vidéo va sûrement vous encourager à vous y lancer, à vous y mettre vous aussi, sans prise de tête et avec beaucoup de facilité. Pour réaliser cette petite peinture, il vous faudra une feuille d'aquarelle de format A5. Soit vous faites comme moi, vous divisez votre feuille A4 en deux, ou alors vous prenez un bloc de feuilles d'aquarelle de format A5. Vous aurez aussi besoin de quelques feutres écoliers, de la peinture aquarelle, du liquide de masquage. Et concernant le liquide de masquage, j'ai déjà réalisé deux vidéos à ce sujet et j'ai aussi rédigé un article à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous aurez aussi besoin de quelques pigments liner et de quelques embellissements, mais ça reste facultatif. À la fin de la vidéo, je vais aussi utiliser un peu de peinture acrylique avec un petit pochoir pour réaliser quelques bas-reliefs pour juste ajouter un peu de la matière à cette peinture. Alors, la technique pour dessiner ce bouquet de fleurs ou alors cette composition de fleurs est très simple. Il vous suffit juste de placer quelques lignes avec ce liquide de masquage qui va mettre en réserve la partie qu'on aimerait représenter, je veux dire les pétales, etc., les tiges, etc. Donc nous allons dessiner les fleurs, les pétales de fleurs avec des lignes comme ça, des courbes en mouvement de spirale. Des lignes un petit peu tremblantes pour représenter un petit peu la texture des pétales, je veux dire le contour qui est irrégulier des pétales, et nous allons ajouter aussi des traits de différentes épaisseurs, et pour cela nous allons utiliser le pinceau mais aussi une plume en bambou pour avoir des traits beaucoup plus fins et pour diversifier au niveau de la technique, pour avoir quelque chose de plus riche au niveau technique et au niveau du trait, etc. Voilà. Et je vais prendre une sorte de plume comme ça, que je trempe dans le liquide. Et je vais maintenant essayer de dessiner quelque chose de plus fin. C'est pas grave si vous avez des petites gouttes comme ça qui se posent. Ça dépend de l'effet que vous recherchez. Si vous recherchez des effets de matière, eh bien vous serez servi. Mais si vous recherchez quelque chose de plus précis, eh bien allez-y doucement. Voilà. Maintenant, je vais mettre un peu de couleur par-dessus et je vais commencer. Alors, je vous déconseille ce genre de pinceau parce que les poils, eh bien, se détachent. Alors, je vais mettre un peu de jaune ici. Un peu de bleu.
Donc voilà, je vais laisser ça comme ça et je vais reprendre une fois qu'il sera sec.
Voilà ce qu'il en est concernant cette petite peinture. J'espère que tout le déroulement de cette vidéo vous a plu et que surtout cela vous a inspiré à vous y mettre vous aussi, à peindre de petites compositions florales ou alors juste de la végétation avec peu de matériel. Vous avez vu qu'on n'a pas utilisé vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire de gros tubes de peinture, etc. avec quelques feutres, quelques pigments liner et un peu de peinture acrylique blanche, on finit quand même par réussir à composer une jolie peinture avec des effets de matière, mais aussi avec beaucoup de techniques, des traits et aussi à représenter des fleurs avec peu d'éléments. Vous avez bien vu qu'avec juste quelques traits, on a utilisé le liquide de masquage, mais ce n'est pas obligé d'avoir ce liquide de masquage. Si vous n'avez pas de liquide de masquage, vous pouvez réaliser cette peinture tout autant, c'est-à-dire que vous prenez juste, si vous avez du Posca ou alors un gros feutre, bien vous dessinez des traits tremblants en mouvement de spirale pour suggérer des fleurs sans forcément préciser quel genre de fleurs, et vous ajoutez à la fin un peu de matière, que ce soit de la peinture ou alors des embellissements. En tout cas voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé ou alors que vous avez aimé tout court cette réalisation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime et ça m'encourage à vous produire davantage et ça m'aide aussi à faire connaître ma chaîne et je vous en remercie vivement d'avance. Si vous êtes intéressé par la peinture ou par le coloriage ou par le dessin, vous avez des liens juste en dessous de cette vidéo dans lesquels je vous dirige soit vers des cours privés, c'est-à-dire des cours beaucoup plus en profondeur où vous allez perfectionner votre niveau, ou alors je vous oriente vers des kits de dessin ou de coloriage gratuits pour vous initier, pour faire vos premiers pas dans la matière. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de nouveau d'être passé et d'avoir visionné ma vidéo. Et je vous remercie aussi si vous avez aimé ma vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous y abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Merci.